Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour la suite de notre aventure dans War Tales. On vient d'être recruté pour garder un vignoble qui semble encore sain dans la région. Il ne s'agirait évidemment pas que quelque chose de fâcheux lui arrive. Donc nous avons choisi d'aider ces gens. On va par contre camper. Parce que notre mission est de nuit. Oula. Voilà. Voilà. Et nous allons donc patrouiller de nuit ce bel endroit. Vous êtes qui, vous? Tiens, on dirait que la vieille loupe a embauché des mercenaires. Comme c'est surprenant. Si seulement on n'avait pas ramené plus d'hommes. Mais t'es qui, toi? Ces hommes ont les genoux maculés de terre. Bah ouais, mais... Je sais pas qui vous êtes, moi, les mecs. Hein. Je sais pas qui vous êtes. Tout ce que je sais, c'est que vous avez rien à foutre là. Et qu'on m'a embauché pour faire un job. Et j'entends bien faire le job pour lequel on m'a embauché. Alors, Marca, on va éviter de la mettre à l'autre bout du monde. Parce qu'à chaque fois, elle galère un peu. Alors, fantassin, phalange, lieutenant. Il n'y a pas un personnage nommé. Hein. J'ai pas l'impression particulièrement. Bon. Eh ben allons-y alors. Je sais pas qui vous êtes les mecs, mais... Vous avez littéralement rien à foutre là. Mauvais placement de ma part là. Je pensais pouvoir enchaîner derrière. Je pensais pas que je serais. Enfin, je ne pensais pas que je me retrouverais engagé en fait. Hein. C'est ça. Le truc. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé. J'aurais dû me mettre à une case et pas me coller comme un con. Et ça donne poison au mec qu'on saignement, et ça donne saignement. Donc là, le combo qu'on a sur Tristan, il est quand même vraiment, vraiment très, très bon. Je peux enfin me servir de cette compétence qui servait pas tant que ça avant. Ouais, voilà. On se pève quand même, c'est pas négligeable. Hein. Là, on va essayer de désengager l'ami Féa avec une petite provocation. Hey! Ah, ils sont chiants avec ces trucs. Voilà. En vrai, elle est efficace, hein. C'est juste que bah il faut arriver. Il faut arriver à à l'amener au combat. Donc toi t'es encerclé. Oh, je dirais pas que t'es encerclé. Enfin, tu n'es pas que encerclé, en fait, c'est surtout ça le truc. Ouais, on va.
On va les laisser se rapprocher avant de déployer, on va dire, les armes de destruction massive. Alors, là, il faudrait un coup de main, du coup, à Luma, qui a été blessé. Malheureusement, on est trop loin ici. Et on n'est pas trop loin ici. Il va à une vitesse, Benkab. Assez impressionnant. Ouais, lui, il va pouvoir... Poison, déviation. J'ai gagné déviation. Ok. Putain, lui, il commence à me casser doucement les noix. Bof. On va faire jouer l'ami Tristan d'abord. Parce qu'il nous débarrasse de ce mec-là. Et en fait, il va pouvoir aller soigner. Bah, par exemple, il va pouvoir aller soigner ici Luma. Et retirer ce debuff de merde. Avant que ce soit à elle de jouer. Ce qui est évidemment extrêmement valable. Ouais, non, pour l'instant, c'est pas nécessaire. Voilà, là, ça va être nécessaire de faire des trucs un peu sympas. Donc lui, c'est le décès. Nous voilà galvanisés. Voilà un peu plus de galvanisation. Alors, un nouveau round commence. Il faut absolument qu'on gère ce mec. Il est absolument insupportable. Donc lui, il faut que lui il soit géré très très vite. Hein. Il en touche toujours deux. Hein. Mais ça va pas l'empêcher de crever en fait. Pas ici, non. On va prendre lui plutôt. Voilà. Parfait. Ici, bon bah ici. Voilà, merci d'être venu. Non, 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 non. Autant j'ai rien contre le fait de laisser fuir des animaux. Autant les mecs qui m'ont branché, qui m'ont provoqué. Ben il faut qu'ils fassent face aux conséquences des choses. Hein. C'est comme ça que ça marche. Hein. Voilà, ça c'est une conséquence par exemple. Cet homme semble extrêmement déstabilisé.
Mince, il peut pas faire le tour. Quelle tristesse. Bon, enfin, c'est pas si grave que ça. Je pense que lui, il peut le terminer assez facilement. Et voilà. Ça règle le problème. Bon, on sait pas qui c'était ces types. Mais bon, ils ont cherché la merde. Tubercule étrange. Rempli de son écorce, imite une figure humaine. Ouh, ça sent la malédiction chelou, ça. Ouh là là. Ah, bravo, un vrai carnage. Et maintenant qu'ils sont tous en morceaux, comment vais-je savoir ce qui les poussait à attaquer mon vignoble? Voulez-vous dormir au milieu des raisins pour le restant de vos jours? Pour que ma famille soit tranquille, il faut absolument découvrir qui étaient ces hommes, savoir s'ils avaient des complices. Je suis prête à vous payer le double pour ça. Pour commencer, il y a ce tubercule bizarre qu'ils avaient sur eux. J'ai jamais rien vu de tel dans tout Gozenberg. Les trackers pourraient vous aider. Ils vivent dans la nature, voyagent de royaume en royaume. Si quelqu'un sait ce que c'est cette plante, ça doit être eux. Ben, ok. Et je les trouve où les trackers? Bah c'est tout là-bas. Ok. S'il y a que ça pour vous faire... Il y a des champignons ici. S'il y a que ça pour vous faire plaisir, on va aller voir les trackers. Puis s'il vous plaît, c'est pas la peine. C'est pas la peine de gueuler. Hein. On a fait un job tout à fait qualitatif, comme on dit. J'apprécierais vraiment de me débarrasser quand même du type qui nous suit là depuis je sais pas combien de temps. Ça me fait un peu chier. Je vais peut-être descendre par là d'abord pour vérifier si sur un malentendu on n'a pas par exemple une prison. Parce que ça m'amuse très modérément ouais, de payer. C'est par où? C'est par tout droit là. Bon, puis l'exploration c'est toujours une bonne chose, hein, ça nous permet quand même de... Vous voyez, on sait pas ce que c'est, par exemple. Ça débloque pas mal de points, de choses, de trucs, donc... Une draperie. Voyez-vous ça? Pourquoi moi? Pourquoi aujourd'hui, alors que je pensais que ma fortune était faite? Pourquoi faut-il que le destin me punisse? J'ai passé 5 ans sur cette tapisserie, un chef-d'œuvre. Et voilà qu'elle disparaît. La garde m'a dit d'arrêter de chercher, que ma tapisserie avait depuis longtemps passé la frontière. Je n'ai plus que mes yeux pour pleurer. Petite tapisserie, du cuir, des tissus. Bah, c'est gentil, mais... Si jamais je trouve une tapisserie, promis, je vous le dis. Ah! Dites-moi que c'est une prison. Yes! C'est une prison. C'est incompréhensible. Hier, on avait 6 prisonniers. Aujourd'hui, il n'en reste qu'un. La serrure est intacte et le dernier larron refuse de raconter ce qui s'est passé. C'est pourtant pas faute de l'avoir torturé. Vous pouvez m'embaucher si vous le voulez, mais je balancerai pas mes camarades. Ben non, je vais pas t'embaucher, non. Priori, ce qui s'est passé semble assez évident, mon ami. Y a un trou dans votre... Ok. Je vais quand même livrer le type. Voilà, on va vous livrer, il est où, machin? Comment ça, Cyanor, c'est pas un hors-la-loi? Mais... Bah merde alors. Bah, qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse du coup?
Nommé lieutenant, bah non. Mais je veux dégagez-le. Ce compagnon n'a pas de métier, mais c'est pas un compagnon. C'est un trou-duc. Comment je m'en débarrasse? Quand même pas lui filer une arme. Bon, bref, peu importe pour l'instant. Oui, on va regarder dans votre prison ce qui se trouve dans ce trou. Hein. Oui, on va utiliser une corde, oui. T'es qui, toi? Je me suis cassé la jambe en m'échappant de la prison et les autres m'ont laissé derrière, ces fils de pendus. Pour un seul remède, je vous dis tout ce que je sais. Bah ok. Ça faisait des semaines qu'on creusait ensemble, il disait qu'on avait formé une bande, qu'il connaissait une scierie abandonnée pas loin de la frontière de Tiltren où on pourrait établir notre repère. Mais dès qu'ils ont vu l'état de ma jambe, ils m'ont planté là sans un regard en arrière. Régler leur compte ou ramener les croupirs dans cette fichue prison, ça me fera plaisir. On va la ramener, les gens au-dessus vont être contents. Elle joue en dernier de toute façon. Donc, Ah là là. Allez hop. Bon, par contre, lui, je suis très emmerdé, hein. Je sais vraiment pas quoi en faire. Du coup, c'est un petit peu fâcheux. Si je sors par où ça? Je sors par là. Ok. Ça me fait pas spécialement plaisir d'être par là. Hein. Ouais, je sais. Attends, on va aller voir ce qu'il y a là-dedans là. Masse à deux mains de niveau 5. Ah oui, bah ça me plaît beaucoup ça. On va quand même camper maintenant. Donc, on peut en faire quelque chose de machin là, parce que. Alors, vous noterez que je peux choisir Poney comme lieutenant de ma compagnie. Il hein, n'y a aucun problème. Hein. Tristan. Du coup, ça c'est mieux que ce que t'as. Hein. Plus 5, bah oui. Ouais. C'est une espèce de marteau épique et tout, donc c'est franchement mieux. Un gambison de level 3. Est-ce que quelqu'un a moins bien qu'un gambison de level 3? Renforcé. Brigandine. Armure de plate. Non, on a tous mieux qu'un gambison de level 3. Hein. Oui. Lui là. Comment je m'en débarrasse? C'est ça la question. Ah mais peut-être qu'il faut que je nomme un lieutenant en fait et que c'est pour ça que ça marche pas. On a effectivement un lieutenant maintenant. Toi, on peut en faire quelque chose de toi ou pas? Inspecter. Ben oui, mais je voudrais juste te virer moi. Tu veux que je... Je ne sais pas quoi faire de ce mec, moi. Dégagez-le de là. Dégagez-le de là et c'est tout. Je peux lui filer un métier. Non?
Puis c'est quoi gérer le compagnon? Libérer ou renvoyer? Bah maintenant qu'il est là, peut-être qu'il peut rester avec nous, non? C'est un fantassin, c'est un tank en fait. Est-ce qu'on a des fantassins déjà? Combattant. Non, on n'a pas spécialement de fantassins. En même temps, force 5, dextérité 5. Ouais, non, tu sais quoi Ouais, tu. Casse-toi. Allez, juste casse-toi. Je veux plus voir ta gueule. Ça, c'est sûr. Mais ça n'a pas empêché de recruter quelqu'un. Hein. Ok. Donc là, on a trouvé une prison et libérer la tour de la sentinelle. Ça fait partie des missions que nous devons suivre. Eh bien, allons-y, allons libérer la tour de la sentinelle. Ça doit être ce machin, a priori. Une bande de voleurs sans foi ni loi se trouve ici, level 4. Hein. Sont beaucoup. Ouais. On va y aller quand même. Parce qu'il faut bien manger, hein, que voulez-vous? La paye, ça se fait pas. Ça se fait pas comme ça. Putain, oui, ils sont beaucoup. Alors on est répartis n'importe comment. Alors là, encore une fois, notre déploiement est une catastrophe absolument ridicule. On va absolument pas faire ça. On va essayer de laisser une partie de la troupe à l'ouest, hein, comme d'hab. Bah, je me demande si c'est pas cette partie-là de la troupe que je vais essayer de laisser à l'ouest, en fait. Plutôt que. En fait, je peux faire ça. Et me déporter vers la gauche, ce qui me permettrait, ouais, ce qui me permettrait d'éviter tous ces nazes. Toi, t'es un braconnier et tu vas jouer en premier. Non, toi, tu joues en premier. Toi, tu joues aussi, mais après. Ouais. Ouais, on va faire ça comme ça. Pas une utilisation idéale de Féa, mais bon. Ah, je vais. C'est un peu triste. Mais c'est pas grave. Ok. C'est pas si grave que ça. Lui, là, le maraudeur, il faut absolument qu'il soit engagé. Bah, parfait. Tiens, on va faire ça. Qui c'est qui peut. Oui. Sans grand problème. L'humain en termine un. Si elle peut en atteindre un autre, non. Elle va se déporter par là-bas pour commencer à prévoir le coup. Voilà, comme ça, tout ce petit groupe-là, il est un petit peu aux fraises. Massacre. Je sens la compétence qui va être tout à fait. Tout à fait intéressante. Ah oh.
plus personne à jouer dans de ce côté-là, hein, de toute façon, donc... Bien joué! Joli tir. Heureusement qu'ils sont stupides. Ah. Ouais, ça c'est un peu fâcheux pour le coup. Ouais. Parce que si je fais ça, ouais, je vais lui éclater la gueule. Et ça m'ennuie un peu. On va essayer de le tuer. Est-ce qu'on peut le tuer avec quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il reste quelqu'un d'autre en fait qui n'a pas joué à part Tibbs? Non, il reste que Tibbs. Putain, c'est d'une tristesse. Je peux pas jouer ça? Bon, écoutez, déjà, on va jouer ça. Puis, ben, je vais être obligé de ne pas frapper ce tour-là. Ça m'attriste un peu, mais c'est comme ça. Alors c'est lui qui va jouer en premier. Cette fois on va essayer de pas être stupide. Le saignement devrait le tuer. Même pas. Bon. Je vais garder Tibbs pour une autre utilité. Je vais le soigner vite fait de son empoisonnement. On va utiliser Féa pour dégommer ce type. Cet archer va être géré par Luma. Il devrait opposer assez peu de résistance. Excellent. Ouais, là pour le coup, Tristan et Jean, ils sont un petit peu dans une situation qui est pas, voilà, qui est pas ultra glorieuse. S'en occuper. Et tire dans tes potes, s'il te plaît. Ouais, voilà. Eux, ils sont merveilleux. Ils sont assez merveilleux. Ah bah allez, on court. Là, je ne suis pas engagé. C'est une très bonne nouvelle. Est-ce que je peux en toucher 3 cette fois? Yes!
Ah mince, il n'est pas engagé. Bon, c'est pas dramatique, mais ouais, il faut que je fasse un petit peu attention, vu qu'ils ont tendance à focus quand même. Voilà, faut faire un peu attention à ce qu'on fait. Voilà. Je suis trop loin pour l'autre terre. Ouais, on dirait que je suis trop loin pour ça. Ouais, je suis toujours trop loin. Dommage. Bon, ce combat n'était finalement qu'une formalité. On laisse fuir absolument personne, soyez-en sûrs. En tout cas, personne qui serait à portée d'épée, évidemment. La grande gueuse, intéressant, alors on va voir ce que ça donne. Alors, l'Huma qui passe level 5, c'est une très bonne nouvelle. Plus de constitution, plus de critique, plus de constit, hein, on va pas. Alors, chaque fois qu'elle s'engage, elle gagne déviation. Chaque fois qu'elle s'engage, elle gagne riposte. Bah ouais, ça, ces trucs sont bien. Plus de force. Jean manque un peu de force, ouais. Manque un peu d'une arme potable aussi, Jean. Quand il est entouré, il gagne protection. Ça me semble une très très bonne chose, ça. Oui, on va quand même fouiller la zone. Bah, t'es qui, toi? Hé, vous, c'est vous qui avez tué ces brigands? Que l'œil soit loué, merci. Ils ont échappé à la garde tellement de fois que j'ai cru qu'ils se feraient jamais arrêter. Est-ce que vous voudriez bien me détacher? Ouais, si tu veux, ouais, bien sûr. Merci beaucoup, je chantais plus mes chevilles. J'ai tout essayé pour m'enfuir, mais ces chaînes étaient trop robustes. Ce qui est ironique, c'est que je suis là à cause d'une clé. Dès que les brigands l'ont vue, ils se sont persuadés que j'étais riche, alors que je sais même pas ce qu'est Louvain. Elle est dans ma famille depuis longtemps, on la garde comme un simple porte-bonheur. Ah! La clé ouvragée qui ouvre le coffre ouvragé. Très heureux. Très 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 heureux d'avoir rencontré ce monsieur. Aïe. Aïe. À bouffer. Je m'attendais à des choses un peu plus intéressantes que à bouffer. Alors. Une armure lourde pour poney, incroyable. Des plumes légères pour tirer plus loin. Les rapports militaires qui vont me permettre, comme d'habitude, de gagner un point de connaissance. On est bien content. Écoutez, c'était bien. Est-ce que ça, c'est mieux que ce que j'ai? Force plus 9 mutilation, force plus 9 oblitération. Ouais, c'est le même délire. Ça applique un saignement sur un critique, ça. Ça repousse d'un mètre. Ouais, bof. Bah, je pense qu'il faut que je lui mette du crit à elle, hein, parce qu'elle a que 5%, donc c'est pas assez. Ouais.
Ok, bon, eh ben ça c'est fait. On va continuer. Ouais, on a encore un peu de temps pour cet épisode. Ah, mais on est trop lourd maintenant. C'est pas une bonne nouvelle. On va essayer d'arriver jusqu'au camp des trackers, voir si on peut pas leur vendre 2-3 merdes. Ouais, c'est assez impressionnant comment on passe de tout va bien à mon Dieu, c'est beaucoup trop lourd, je ne peux plus avancer du tout, du tout. Non, c'est pas 2 minutes. Personne n'a l'abri de la meute fantôme, même dans les régions aussi sûres et apprivoisées que Vertruse. Est-ce que tu connais le tubercule étrange? Je suis surprise que vous me parliez de ce tubercule. C'est une mauvaise herbe qui pousse qu'en Alazar. Personne n'en fait du commerce, elle se mange pas, même pas les cochons n'en veulent. Cela étant dit, c'est une plante étonnante. Elle est capable de survivre, de croître dans les sols les plus arides. En étendant ses racines, elle capte la moindre goutte d'eau des mètres à la ronde. Évidemment, les autres plantes aux alentours dépérissent à vue d'œil. Donc voilà, c'est en tout cas c'est pour ça que les plantations sont en train de crever. Et comme ça vient d'Alazar, il y a fort à parier que ce soit la dame d'Alazar, justement, qui... Ouais, il est fort probable que ce soit la dame d'Alazar qui ait provoqué ça. Hein. Maître Tracker Istos. Halte, qui êtes-vous? Que voulez-vous? Laisse-nous passer, Tracker. On est là pour les mercenaires. Des marchands les ont vus entrer dans le camp. Qu'est-ce que vous leur voulez? Rien qui concerne ta chasse aux monstres. Écarte-toi ou tiens. Mais voilà que nos mercenaires sortent du trou. De l'air, Tracker. Cette histoire, c'est entre les mercenaires et nous. Ok. Soldat inconnu. Bah écoutez, ils vont passer donc de... Ouais. Ils vont passer de vie à trépas assez rapidement, eux. Ah, le maître Tracker Istos doit survivre. Ok. C'est moi, on est vraiment déployé d'une façon très chelou. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7 là. On a 6, 7, mais j'ai aucune raison d'aller à 6, 7 ici, alors qu'on peut concrètement faire ça. C'est ce lieutenant qui va jouer en premier. C'est un espèce d'emmerdeur. Il fait partie des emmerdeurs avec ses gros marteaux qui font saigner là. C'est un peu chiant. Plutôt mettre Luma dans le coin. Peut-être plutôt essayer de tomber sur ces trois-là très rapidement. Ça pourrait être rentable. Allez, c'est parti. Ok, bon, ça me... Chagrine pas tant que ça, on va dire. Voilà, saignement. On a besoin d'avoir un type comme ça à côté pour soigner le saignement. Parce que ça fait mal, le saignement. Voilà. Ensuite, ici. Ben, ici, c'est des archers qui vont arriver. Je pense que c'est mieux si on va se mettre au corps à corps et qu'on se protège. Au secours, ces mecs au marteau que je ne supporte pas. Ah, et puis il tape son pote aussi. Ouais, donc là, il y a urgence à aller aider.
Il y a grosse, grosse urgence. Sauf qu'on est tous trop loin pour aller aider du coup. Ouais, il faut que Tibbs. Ouais, mais on a dit qu'on s'occupait de ceux-là d'abord. Donc lui, il va être géré. Lui, il me gêne beaucoup. Ouais. Fantassin. Aïe 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 aïe. Ça fait quand même vraiment vraiment beaucoup de gens pour attaquer l'humain là. C'est quand même vraiment pas une bonne nouvelle. Elle est trop loin. C'est vraiment vraiment pas une bonne nouvelle. Là-bas ça passera plus de toute façon. Hein. On est un petit peu kéblo donc on est obligé de passer par là. Non. Non, 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 non. On va focus, on va focus. Ah mais non! Ah là là! C'est pas le bon mec! Ok, donc toi, ça sert à rien quand on fait ça, nickel. Je croyais que c'était Ben Cap que j'avais envoyé là, or pas du tout. Bon, c'est pas grave. On tire dans le tas, touche tes potes, toi, s'il te plaît. Ouais, il a pas touché ses potes du tout, du tout. Je pense que de là, je peux le frapper. Ouais. Donc lui, faut qu'il lui arrive, faut qu'il lui arrive une bricole et genre très rapidement, quoi, parce que. Bon, ça sert à rien, ça. Pouah là 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 là. Cette situation de merde, par excellence. Ah, puis lui, il joue pas? Bah, merci beaucoup, machin. C'est un grand plaisir. Vraiment. Bon bah donc là il faut ventiler là. Est-ce qu'on a un... Ouais non, Ferry, il est de l'autre côté. Lui il lui reste beaucoup trop de vie pour être mis à mort. Ah quoique. Il lui reste plus trop de vie pour être mis à mort. Donc ça, c'est une bonne chose de fait, mais c'est pas une chose suffisante de fait. Je vais laisser la place à des gens plus compétents et surtout qui savent soigner. Dans la catégorie je sais soigner, je suis compétent, on a donc Tristan qui doit aller là. Soigner l'humain. Se déplacer là. Attaquer ce con. Bon, la bonne nouvelle, ouais, c'est utile de savoir quand même qu'elle a une barrique de PEV, hein, mais quand même, ça fait quand même beaucoup. Beaucoup d'adversaires là. Aïe. Oui, je m'attendais à mieux. Un peu. Je suis un peu déçu, hein. Machin. Mais bon. C'est comme ça. On va aller apporter du soutien là-bas, là. Il faut que ces gens y crèvent.
Aïe. Oui, t'as raison, cours. Je veux plus voir ta gueule. C'est pas un problème majeur. Alors ici, bah ici on est engagé malheureusement, donc on peut plus faire de miracle. Hein. Ici aussi on est engagé. Il touche son pote. Ouf. 12 de saignement. Hein. 12 de saignement, c'est quand même vraiment pas une bonne nouvelle. Alors, comment on fait ça? Comme ça, je dirais moi. Je m'attendais à mieux. Je vous le cache pas, non, non, je peux pas faire jouer elle, je peux pas, je peux vraiment pas la faire jouer maintenant. C'est hors de question. Là, j'en touche deux, mais c'est pareil, elle, elle est. Ah non, elle a pas le saignement, elle. Bon bah ça me dérange que très peu pour le coup. Ça me dérange que très peu non plus. Fracasser le crâne, ça me semble être un bon choix. Mais par contre, ouais, le saignement à 12, ça déconne zéro. Zéro de chez zéro. Notre soigneur, en plus, il est là. Ouais, c'est pas idéal, idéal. Ça, c'est des nasses que je ne contrôle pas, malheureusement. Benkap, je contrôle, par contre. Il y a peut-être moyen que j'élimine lui. Il n'y avait pas moyen. Aïe, 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 aïe. Ok. Bon, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On va aller se mettre là. Ça sert à rien, ça. Ok. Lui, il touche les PNJ. Ok. Lui, il va toucher Benka. Bah, fait chier, putain. Ouais, lui mettre 27. Ouais, non. C'est triste, mais c'est comme ça. Ouais, le combat est un peu raide, hein, quand même. Le
Ok, Maître Tracheristos, voilà, il n'y a pas de, y a pas d'urgence. Là, il faut que j'enlève assez rapidement le poison qui a été mis sur, sur Jean. Voilà. Pas le poison, le saignement. Hein. Puis lui, on va lui attendrir un peu la face de cette façon-là. Voilà, quand il jouera. Il jouera, il aura des problèmes. Donc, qui c'est qui est dans le mal? C'est l'Ormarca qui est vraiment, vraiment dans la merde, là, hein, pour le coup. Il est possible que Tibbs arrive à faire un massacre ici. Ouais. Et du coup, on part en galvanisation. Bah toi, ma pauvre, avec tes 25 PV restants, je préférerais autant que tu te planques un peu. Lui, il a essayé de bouger, il aurait pas dû. Voilà, là on peut enfin taper, on a libéré la place. Voilà. Non, non, vous vous enfuyez pas, c'est comme d'hab, hein, il n'en est pas question, quoi. Reste plus que celui-là. On va aller récupérer un point avec Féa, mais je pense que de toute façon il va le tuer. Ah non, il l'a pas tué. Bah, vous savez quoi, c'est pas si grave. On va faire jouer quelqu'un qui est capable de soigner pour remettre un petit peu des points de vie ici cette fois. Voilà, putain, ces bâtards, ils étaient. C'était costaud quand même, hein. Un Arnois de niveau 4. Oui, on prend. Oui, mais on n'a pas. Enfin, on peut plus. On peut plus porter. On peut plus porter les trucs, les gens. C'est trop lourd. Je me demande pour quelle raison ces hommes tenaient tant à vous retrouver, ce simple tubercule. Comment peut-il les pousser à essayer de tuer? Ah bah parce que ce sont des sacs à merde, je pense que c'est assez, assez clair maintenant. Donc on a un Arnois. Enfin, on n'a pas que un Arnois en fait, hein. On a tout un tas de bordel. Mais il faudrait qu'on trouve 8 de poids, mais je sais pas du tout comment je vais récupérer 8 de poids. Ça coûte 60 balles, j'ai pas envie de jeter ces trucs en vrai. Targe d'entraînement, ça c'est pourri, on est bien d'accord, mais. Qu'est-ce qui pèse lourd et dont j'ai absolument rien à faire? Du grès là. Dégage-moi ça. Je me baladais avec des cailloux, j'ai jamais compris vraiment.
Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Là-dedans, on peut pas mettre des trucs. Non, malheureusement, on peut pas mettre des trucs de plus. On va être obligé de casser des trucs comme ça. 62, 68, 62. Bah, déjà ça, là, ça c'est de la merde. Ok, bon. On a un harnois. Un harnois de level 4 qui fait moins de mouvement, 38 d'armure. Elle a quoi, elle? Pour l'instant, elle a une armure de plaque renforcée qui fait, grosso merdo, la même chose. Hein. Oui. Ça, c'est une armure lourde. Et ça, c'est une armure lourde aussi, mais qui fait plus 5 en armure. Bah, allez, hop. Félicitations. C'est bizarre qu'il coûte moins. Ouais. Bon, peu importe. Ok, on a pu absolument tout réparer. Bah, vous savez quoi, on va dormir maintenant, hein, pendant qu'on y est. Mais on va arrêter à l'épisode surtout parce que ça fait un petit moment qu'on joue déjà. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve de toute façon très très bientôt pour la suite où on va essayer de tirer un petit peu au clair ce qui se passe dans cette région maudite. Allez, bye bye les gens!